Mais vu là, j'ai appuyé deux fois sur la touche. Et voilà, bingo les gars. Vous serez invisible et en plus minuscule sur le jeu. Hey, salut à toutes et à tous les copains, c'est Xavier Laforme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un nouveau glitch sur le jeu de Fortnite. Du coup, une technique qui va vous permettre de devenir complètement invisible sur le jeu, plutôt pratique pour troller ses amis. Je vais tout vous expliquer. Je compte sur vous pour les petits nouveaux, pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes les bienvenus si vous êtes chez vous également. Pour les copains fidèles déjà abonnés à la chaîne, je compte sur vous pour mettre votre petit pouce bleu sur la vidéo, ça ferait super plaisir. 300 likes sur cette vidéo, je pense que vous pouvez les atteindre. Donc à vous de jouer. Si jamais, il y a aussi tous mes réseaux sociaux, RyFeed et mon Twitch dans la description, où il y aura très bientôt des streams du soir. Donc n'hésitez pas à me follow. On va passer directement aux explications. Pour ça les gens, c'est super simple. Vous allez directement sur Fortnite et vous allez devoir mettre votre île. Ok, jusque là je pense que vous me suivez. Vous allez devoir aller dans votre inventaire créatif. Une fois que vous êtes allé sur votre île, vous allez aller dans les appareils et prendre, vous savez, le tableau des scores là. Et vous allez devoir en mettre dans votre coffre. Déjà là on va réinitialiser ça. Donc appareil, vous prenez des timers et vous faites ajouter au coffre. Donc vous remplissez totalement votre coffre. Le but en fait ça va être de remplir totalement son inventaire avec ces objets là pour créer le glitch en fait. Donc une fois que c'est fait, vous créez plein de coffres. Donc mettez-en suffisamment pour remplir totalement votre inventaire en fait. Hein. Donc là j'en ai mis au moins une vingtaine, je pense que ça devrait être suffisant. Donc là, ensuite vous les prenez jusqu'à ce que votre inventaire soit complètement rempli. Ce glitch, je l'ai vu sur YouTube, donc ce n'est pas du tout le mien. Je vais essayer de mettre la source dans la description, mais il a tellement tourné ce glitch que je sais même pas si ça va vraiment valoir le coup de le faire. On ne saura jamais qui est-ce qu'il a trouvé réellement. Donc vous remplissez totalement votre inventaire, au bout d'un moment vous pourrez plus les ramasser. Et c'est là que le glitch va pouvoir commencer. Voilà, vous avez vu? Là je peux plus les ramasser. Vous allez dans votre inventaire créatif une deuxième fois, vous allez retirer 5 tableaux des scores. Je vais juste retirer 5 qui sont ici. Ensuite vous allez dans le mode créatif, vous prenez une shadow bomb, vous la balancez. Et regardez, vous allez voir que quand vous balancez des shadow bombes, elles vont se poser à terre ici, mais elles vont être invisibles en fait. Ok, regardez, je vais le faire une deuxième fois. Vous avez vu, là, j'ai créé des items invisibles en fait. On va en mettre un troisième si vous voulez. Et le truc qui est assez magique en fait, quand vous avez réalisé ce glitch, regardez, si vous voulez, après, regardez, vous pouvez vider après totalement votre inventaire. Hein, après, on s'en fout, vous pouvez les jarter si vous voulez, c'est pas grave. Et ensuite, vous avez juste qu'à prendre les bombes ténébreuses au sol. Et quand vous allez ramasser du coup l'item qui est au sol, vous allez devenir totalement invisible. Et regardez, hein, je vais m'en séparer. Voilà, je peux vraiment tout retirer si je veux. À chaque fois que vous allez ramasser du coup cet objet-là, vous allez devenir totalement invisible. Donc du coup, vous pourrez même limite, si vous voulez, les mettre dans des distributeurs. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas remarqué, mais ça change la rareté de l'objet. Regardez, normalement c'est vert. Et là, ça m'a créé une bombe ténébreuse violette du coup. J'ai peut-être une autre méthode encore à vous présenter qui vous permet d'être invisible sur le jeu et sur la map carrément. Donc là, on va passer à la deuxième astuce si vous voulez. On va essayer. Donc là, on va réapparaître pour se remettre en visible. Donc pour ce glitch, c'est à peu près la même méthode que le glitch qui permet en fait de se transformer et de changer la taille de son personnage. Sauf que vous allez devoir le faire avec un objet de votre taille. Regardez, vous prenez un pistolet, vous savez le truc du pro mode là, le truc qui se permet de se transformer. Vous allez vous servir de ça, vous allez vous mettre en fly, donc vous devez voler et vous mettre à côté de la faille. Voilà, vous avez vu, vous mettez à côté de la faille en volant avec votre pistolet et vous devez sélectionner un objet d'à peu près votre taille. Tu vas regarder s'il y en a dans le coin, je pense que je vais essayer avec un coffre. Et vous devez du coup appuyer deux fois sur la touche qui vous permet de vous transformer. Vous avez vu là, j'ai appuyé deux fois sur la touche et voilà, bingo les gars, vous serez invisible et en plus minuscule sur le jeu. C'est une deuxième astuce et qui est limite, j'ai envie de dire, meilleure que la première, parce que vous pouvez même changer du coup la taille de votre skin, hein. Admettons que je veuille du coup être géant et minuscule, c'est possible. Enfin voilà, vous m'avez compris, vous pouvez redimensionner votre personnage et en même temps être invisible. Je peux vous cacher que c'est plutôt stylé pour troller les gens. Et voilà, c'était tout du coup pour ces deux astuces qui permettent de se mettre invisible sur Fortnite. Donc bref, voilà, j'espère que cette petite vous a plu. On se recapte très bientôt pour d'autres vidéos de glitch ou pas sur la chaîne YouTube. C'était RyFeed, c'était votre tonton tacos. Ciao, ciao. Oxygen fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and